Herzlich willkommen, Mesdames et Messieurs, bienvenue au großer Musikvereinsaal de Vienne. Aujourd'hui, Herbert von Karajan aurait eu 100 ans. Pour rendre hommage à ce grand chef d'orchestre qui, comme nul autre, a marqué le XXe siècle, nous vous proposons ce soir un concert exceptionnel. Au programme, deux œuvres majeures, le concerto pour violon de Beethoven et la sixième symphonie de Tchaïkovski, dite la Pathétique. Ces deux œuvres seront interprétées par de fidèles disciples du maestro, Seiji Ozawa, qui dirige l'Orchestre philharmonique de Berlin, et une star mondiale, la soliste Anne-Sophie Mutter. Vienne a toujours réservé un accueil extrêmement chaleureux à Herbert von Karajan, né à Salzbourg. Aujourd'hui, les Viennois rêvent encore des concerts inoubliables dirigés par le maestro au Musikverein et des spectacles prestigieux de l'Opéra national de Vienne, dont il fut tour à tour chef d'orchestre, metteur en scène et directeur. C'est dans cette salle de concert que s'ouvre en janvier 1946 un chapitre déterminant de la vie de Herbert von Karajan. Il y enregistre plusieurs œuvres pour le producteur de disques britannique Walter Legg. À sa mort, Karajan léguera à la postérité plus de 1000 enregistrements, un record inégalé jusqu'à ce jour. Anne-Sophie Mutter a tout juste 13 ans quand elle auditionne devant Herbert von Karajan. Il l'engage aussitôt pour le Festival de Pâques de Salzbourg en 1977. Richard Osborne, le biographe de Karajan, se souvient de la première répétition. Karajan semblait avoir rajeuni de plusieurs années. Accompagner cette jeune soliste, c'était un peu comme suivre une ravissante jeune fille au volant d'une voiture de course sur une route de campagne inconnue, comportant de nombreux virages. Karajan et l'orchestre en savouraient chaque instant. Pendant l'entracte, Anne-Sophie Mutter évoquera les souvenirs qu'elle a gardés de son mentor. Mais place à présent à la violoniste prodige, accompagnée par l'Orchestre philharmonique de Berlin, sous la direction de l'ancien assistant de Karajan, maestro Seiji Ozawa.
Thank you.
Thank you.
Après l'interprétation de cette œuvre de Beethoven, le public très enthousiaste applaudit la prestation d'Anne-Sophie Mutter, accompagnée de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, sous la direction de Seiji Ozawa. Et puis vous le voyez, le président autrichien Heinz Fischer est venu assister à l'hommage rendu à Herbert von Karajan. Zugabe, die Demols Haraband Herbert von Karajan widmen, dem ich so viel verdanke und dem wir alle so wunderbare Musik verdanken.